Alors, qu'est-ce que ce produit, ce nouveau produit Niken, Kenzen BDZ? D'abord, c'est un nouveau produit dans la tradition de tous les produits que Niken nous offre, c'est-à-dire un produit à la pointe de la recherche et du développement, un produit qui concerne la santé des eaux. Et donc, c'est un produit extraordinairement pertinent par rapport aux problématiques d'aujourd'hui, par rapport aux préoccupations d'aujourd'hui. Et pour ceux qui auraient connu un produit qu'on a eu dans la gamme très longtemps qui s'appelait Osteolinx Caldinx, eh bien, c'est la suite en mieux, en scientifiquement avancé. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, bien sûr, quand on dit santé osseuse, on pense calcium, on pense fixation du calcium. Et là, ce qui est très futé, ce qui est très particulier, c'est que ce produit a comme fonction, grâce à ses ingrédients, de venir optimiser l'utilisation du calcium qu'il trouve dans le corps, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa quantité. Et ça, c'est vraiment très précieux puisque on est tous uniques, que ce soit du calcium d'origine végétale ou d'origine animale, quel que soit notre mode de vie, ça va être quelque chose qui est très pertinent à connaître, puisque ce n'est pas sur la qualité du calcium qu'on prend. Là, la question, c'est de se dire, voilà, comment bien utiliser ce produit qui va utiliser le calcium que j'ai dans mon corps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce produit qui donc va aider à la fixation et à l'utilisation du calcium pour la santé osseuse, il y a là la pointe des avancées scientifiques. C'est un produit unique, c'est une exclusivité pour Niken, parce qu'en fait, il met en commun ce que l'on sait aujourd'hui d'être le plus pertinent dans tout ce qui contribue à l'utilisation de ce calcium et à la fixation de ce calcium dans notre ossature. Il y a donc trois grands composés et trois grands complexes qui sont utilisés pour ce produit. L'aquamine, donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que en plus de la vitamine K que vous avez vue sur la slide précédente, qui est une vitamine d'origine naturelle, l'aquamine est un complexe qui est d'origine marine, donc qui aide encore aussi à la biodisponibilité et à l'assimilation. Et là, il y a un complexe d'oligo-éléments, mais unique, quoi, 72. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne pourra plus parler de carence si on utilise ce produit-là. Ensuite, après le Ménaka7 et l'aquamine, il y a quelque chose d'extraordinairement choisi par toute l'équipe qui a travaillé à ce produit. Tu peux mettre la slide qui est après, c'est le paractine, puisque là, il y a quelque chose de très intéressant, d'autant que c'est souvent dans le langage des gens que l'on côtoie et qui parlent de leurs problématiques. Souvent, les gens disent, ça me lance un peu la nuit, ou j'ai une poussée inflammatoire, ou j'ai une crise inflammatoire. Souvent, les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais en tout cas, ils savent que les inconforts augmentent. Et avoir un des ingrédients dans ce produit qui contrôle la réponse inflammatoire qu'a le corps quand il y a une souffrance, quand il y a une agression, quand il y a une structure qui est abîmée, eh bien, c'est vraiment très, très intéressant puisque ça va protéger aussi tout ce à quoi sert l'os, c'est-à-dire la fonction articulaire et le mouvement. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et enfin, quelque chose qui aujourd'hui, on le sait, est plébiscité partout et dans tous les milieux, donc c'est une excellente nouvelle que ce soit aussi dans ce produit-là, c'est ce curcucaire qui est en fait un composé dérivé du curcuma. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire puisque c'est la façon la plus naturelle de gérer les conséquences et les causes de l'inflammation. Donc là, on n'est pas dans des injonctions médicales, on est simplement dans ce que l'on sait de plus en plus dans les milieux nutritionnistes, dans les milieux médicaux. Le curcuma est de plus en plus utilisé. Et pareil pour cette substance qui a
un nom bizarre, le Boswellia serrata, qui a surtout une fonction très globaliste. Et on sait aujourd'hui que notre corps a besoin de quelque chose qui le soutient de façon globale. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, c'est très complémentaire de la curcumine. Voilà, donc en résumé, vous l'avez sur la slide, on a quelque chose qui est un produit unique, hein, le Kenzen BDZ sort chez Niken et nulle part ailleurs, c'est une exclusivité, il est vraiment fait avec des choses naturelles, il est extrêmement riche en oligo-éléments et en minéraux naturels, donc c'est ce dont notre corps a besoin, bien sûr sans gluten et sans OGM, mais surtout, comme il va soutenir la physiologie normale de notre corps, en termes de physiologie osseuse, cet équilibre qu'il doit y avoir entre la construction de l'os et le modelage de l'os, hein, puisqu'il y a des cellules qui perpétuellement détruisent aussi l'os pour qu'il en garde sa forme programmée au niveau de notre programme interne. Et puis surtout, ne pas oublier que l'os, c'est notre charpente et il sert de soutien aux articulations, aux muscles qui s'y attachent, aux tendons qui s'y attachent. Donc, il va servir globalement à toute la fonction de notre corps, à la préservation de nos mouvements. Et en fonction des inconforts des uns et des autres, que ce soit un petit peu de dérouillage le matin, un petit peu de raideur, un petit peu de douleur ou beaucoup de périodes avec des espèces de sensations de poussée un peu plus inflammatoires à certains moments de la journée ou de la nuit, ça va soutenir tout ce qui, dans notre corps, est là normalement pour réguler notre fonction et la physiologie osseuse et permettre que nos mouvements, notre posture et nos besoins au quotidien soient plus fluides, moins inconfortables. Donc, que ce soit parce qu'il y a des douleurs ou pas de douleurs, mais des sensations que notre corps n'est plus à notre service dans sa pleine potentialité, c'est là qu'on va vraiment ressentir les bienfaits. Alors là, vous avez effectivement des statistiques. On sait aujourd'hui, c'est un mot qui est énormément utilisé, l'ostéoporose, c'est quelque chose qui concerne énormément de gens. On parle beaucoup plus des femmes, mais ça concerne tout le monde, puisque l'ostéoporose, c'est une forme de vieillissement aussi de l'os, c'est-à-dire quand l'os est moins qualitatif, est en moins bonne qualité en termes de densité, en termes de répartition de contraintes, en termes de qualité, de répartition de ces contraintes. Et on entendra des gens parler de la densitométrie qu'ils ont fait sur la prescription d'un de leurs médecins et qu'on leur dit qu'ils ont une mauvaise densitométrie. Bon, l'avantage de ce produit, c'est qu'on va pouvoir prendre les choses en amont. On va pouvoir travailler sur la qualité de cette densité osseuse en amont. On ne travaillera pas forcément sur les causes. Il y a des causes qui sont indépendantes de ce sur quoi nous, on peut agir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des causes médicamenteuses à leur ostéoporose. Mais plus on prendra ça en amont, eh bien mieux on soutiendra le corps dans la physiologie de construction de l'os et de renforcement de l'os. Donc, c'est vraiment un produit extraordinaire. Là, on parlait des statistiques de l'ostéoporose et du vieillissement. Il faut savoir que des jeunes personnes qui ont fait beaucoup de sport, voire des excès, voire qui ont eu des accidents dans leur parcours et leur carrière sportive ou pas sportive, mais professionnelle, avec des contraintes professionnelles fortes, des gens qui ont beaucoup utilisé leur dos, des gens qui ont eu des problématiques au niveau des genoux, des hanches, des chevilles, des gens qui ont repris le sport mais qui n'étaient pas forcément au top de leur forme, des gens qui ont besoin de renforcer leur mâchoire, des gens qui ont eu des problématiques d'épaule. Voilà, ça c'est pas une question d'âge, c'est une question de symptômes, c'est une question de difficultés, d'incidents ou d'aléas de la vie. Donc ça va concerner énormément de gens et je trouve que c'est très simple de parler de ce produit-là, d'abord parce que les documents que Niken met à notre disposition sont très très complets. Il y a aussi un document qui s'appelle la question-réponse que vous pourrez trouver sur MyNiken, donc ça c'est extraordinairement pertinent. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la santé pour parler de ce produit et on peut se poster vraiment dans la dynamique qu'on évoque très souvent tous ensemble, qui est la prévention santé, le bien-être actif. On est dans la prévention.
ça va permettre aux gens, eh bien, d'être dans la prévention des blessures dans le monde sportif. Ça va être la prévention de la fatigabilité. On a tous entendu des gens qui sont dans des situations compliquées, par exemple de fatigabilité liée au travail et qui ont des fractures spontanées. Et ça, c'est quand même un truc dingue. Eh bien, on peut se situer dans la prévention santé. Donc, tous les gens que l'on connaît et qui parlent de quoi faire pour prendre soin de soi, ce produit-là est pertinent. Et pour soi-même, pour nous-mêmes, soyons les meilleurs exemples. Ça peut être un produit qui fait partie définitivement de notre quotidien et de notre hygiène de vie. Ça peut être un produit qui se prend par cure à des changements de saison où on sent plus de fatigue. Et donc, à tout point de vue, ce produit, il est intéressant. Et on va pouvoir en parler très simplement grâce à ce type de PowerPoint, mais grâce aussi aux documents, peut-être plus courts, qu'on a à notre disposition grâce au blog de Niken. Donc vraiment, moi, je suis très, très, très enthousiaste par rapport à ce produit. Et je vous invite vraiment à partager ces documents parce que ça fait le travail, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et donc, eh bien, écoutez, on se reverra pour en parler avec plaisir, avec toutes vos expériences. Et vraiment, merci, merci à Niken d'avoir sorti ce produit aujourd'hui. D'abord parce qu'on est la veille des vacances. Les gens vont faire du sport, vont se sentir mieux dans leur peau, vont marcher en montagne, marcher à la plage, marcher en campagne. En tout cas, vont un petit peu s'aérer et profiter de cet été pour vivre un petit peu à leur rythme. Et peut-être qu'à la rentrée, ils vont avoir des questions. Peut-être que dès maintenant, ils vont se dire, bah tiens, pour profiter mieux de mes balades, j'ai envie de prendre soin de mon corps, de prendre soin de mes os, de prendre soin de ma charpente, qui est au service des mouvements, qui est au service de ma posture, de ma vie, de ce que j'ai envie de faire et besoin de faire avec mon corps. Donc vraiment, partager ce produit, il intéresse tout le monde.